Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de présentation et de dégustation. Aujourd'hui, on est avec du vin rouge. Réserve Tour du Lac 2017 Bordeaux, appellation d'origine contrôlée. Donc, c'est un 2017. C'est une bouteille standard en 75 et il est à 12 degrés 5. Donc, voilà, c'est marrant. Il y a une petite médaille pour nous dire que c'est une cuvée prestige. Et voilà. Dégustation, robe d'un joli rouge vif et belle intensité, nez fruité, front, bouche fruitée et rond et belle structure. À corps, à servir, chambré entre 16 et 18 degrés, sur une viande grillée, un plat de so en sauce, accompagne agréablement les repas. On va tester ça tout de suite, en tout cas, il a l'air sympa. Au moins extérieurement. Donc on va ouvrir ça et on va tester ça tout de suite. Quoi ça ressemble? On va sortir le bouchon. Alors, on a un bouchon légèrement ciré, voilà. Rien de particulier. Voilà, c'est vraiment le bouchon super basique qu'on a. Pas de l'eau, juste un numéro de lot a priori sur le bouchon et rien d'autre. Donc voilà. Et on va tester ça immédiatement. C'est agréable. Bon, on sent bien que c'est du rouge, on a une bonne odeur. Au niveau de la couleur, voilà, on va mettre ça un peu plus en lumière. Voilà. On a une couleur standard. Il est plutôt foncé. Voilà. Et on va goûter ça. Il est agréable, il est bon. C'est vrai qu'il est plutôt fruité. Il reste bien en bouche. C'est vrai que pour de la viande, ça doit bien le faire. Une viande grillée. Il n'est pas trop amer. Bon, en même temps, il est plus doux que le standard pour un vin. Il est à 12 degrés 5, donc ça va. C'est quelque chose qui est bien. Même pour un apéro, ça peut le faire. Je vous dis, moi j'ai plutôt tendance à boire le vin en apéritif. J'aime bien le vin en apéritif. Vin rouge ou blanc d'ailleurs. Mais là, c'est vraiment bon, agréable. Il n'y a pas d'amertume. Il est doux. Il est un peu. Il reste bien en bouche. Donc il y a une certaine épaisseur. Donc c'est agréable. Je recommande fortement d'ailleurs. Mais il est vraiment très très agréable. Voilà, bah écoutez, si vous avez des questions, des commentaires, surtout n'hésitez pas et abonnez-vous. Surtout abonnez-vous. Merci à vous, ciao bye, nana.